Il est 6h09. Aujourd'hui, on part à Rouen. On part à Rouen pour l'anniversaire surprise de notre copine Camille. Camille. Je suis actuellement à l'arrêt de tram. Je suis trop contente. Alors, en fait, ça fait longtemps que Camille, vraiment, elle nous parle de Rouen, de la Normandie, tout ça, parce que elle y revient quasiment tous les week-ends. Et genre, elle est vraiment attachée en fait à ses terres, on va dire. Le fait que ça soit nous qui allions lui faire la surprise, genre, ça rend le truc encore plus spécial. Chaque fois, elle nous en parle. Elle fait, ah, j'aimerais bien vous montrer un jour, c'est trop bien. On est actuellement in de TER. Et là, tu le regardes. Ça passe pas. Ça n'avance pas. On va tous raconter un souvenir avec Camille. Elle va peut-être se remettre un jour. Ma tête, elle s'est vraiment embrassée. Non, mais elle regardait pas devant elle, je sais pas, elle connaît le truc. Le pédale. Oh, on est au premier stop. On est à la Rouen. Le gros. On a l'air de grosse parisienne, sa mère. Je suis ma vie. Les gens de Rouen sont très gentils. Il n'y a pas grand chose à voir à Rouen. Marie avait prévu un planning. Toute la journée, on l'a fait en une heure. Le dernier stop de la journée. Dernière activité sur la dernier liste. Truc à voir sur Rouen. Ouais, exactement. La statue de Jeanne d'Arc. La place du vieux marché, exactement. Et c'est l'endroit où Jeanne d'Arc a été brûlée. Oui. Les gars, on est chez notre copine Camille. Mais elle est pas là. Elle est toute seule, ses parents ils se sont barrés. J'ai toujours pas de voix, mais au moins j'ai du swag. C'est très atelier préparation. Parce que bon, c'est ça ce qui se passe derrière moi.